Salut à tous, c'est Théo, et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur les Sims 4. Aujourd'hui on se retrouve sur le Killer Celebrity, donc le 12e épisode. Si vous n'avez pas vu le dernier épisode, bien sûr je vous le mets dans le petit i. Et aujourd'hui on se retrouve pour tuer, car oui, Elodie a eu sa promotion, voilà. Regardez-la comment elle marche, elle casse la démarche confiante, elle est radieuse, elle est super contente, voilà. Et donc nous allons devoir avoir notre 9e trophée, car regardez, actrice 9, voilà, tout simplement. Du coup, va falloir qu'on se bouge un petit peu, parce que là, faut qu'on finisse l'aspiration. Donc, faut qu'elle soit célébrée niveau 5 étoiles, recevoir 25 réponses positives et encouragement à applaudir, signer 3 autographes. Bon, ça va être facile, mais c'est les étoiles, faut se dépêcher, car j'ai remarqué que dans 6 jours, elle est âgée. Oh non, donc je pense que dans le prochain épisode, elle sera âgée. Je vous avoue, je suis un peu triste là, mais bon. C'est comme ça. Du coup, là, elle va nous chercher un petit emploi. Voilà, enfin un emploi, un contrat. Alors, voyons voir. Le tournoi d'honneur. Niveau 7 de la confiance charisme. Bah, nickel, parce que je crois que c'est bon, on l'a. Niveau 8. Voilà, nickel. Donc, on va devoir continuer un peu à augmenter les... Attendez, parce que j'ai installé le mode Slice of Life. Donc là, je découvre un peu les trucs. Moi, je voulais juste qu'elle s'entraîne à jouer. Voilà, elle va s'entraîner à jouer pour augmenter. Parce qu'il faut qu'on soit full de production des médias, comédie, jeu d'acteur et charisme. Voilà, faut qu'on soit full. Là, on a notre petite Kitty qui apparemment risque de bientôt nous quitter car elle est âgée. C'est si triste. Donc, je pense que je vais la faire un peu augmenter son jeu d'acteur. Voilà, tranquillou. Jusqu'au niveau 9. Et donc l'audition c'est samedi à 19h, ok bon, bah on a juste à attendre. Il va falloir qu'on réaugmente cette réputation parce qu'il faut qu'elle soit excellente, et elle était excellente. Sauf que comme on avait un truc à faire et fallait qu'elle soit énervée, et bah je l'ai fait s'énerver contre des gens et s'insulter et se bagarrer, ce qui fait que ça a descendu sa réputation. Et du coup je suis trop triste, voilà, tout simplement. Ok, c'est bon, elle est au niveau 9, donc on va la laisser tranquille un peu. On va s'occuper d'elle. Je pense qu'on va inviter notre petit Marc, car dans le dernier épisode, je sais pas si vous vous rappelez, mais il y avait eu un petit truc, quoi. Il s'était peut-être embrassé un petit peu. Oh là là, attendez, on va l'appeler. Vite, dag dag. Demandez de passer du temps ensemble. Comme ça, on va se faire un petit repas tranquille. Et oui, d'ailleurs, faut qu'on voit qui on peut tuer. Faut qu'on fasse la mort de manger. Donc là, on a 8. Bah parfait. Du coup, ils vont parler un petit peu, voilà. Ils vont se dragouiller peut-être un petit peu. Flirt utile. Parce qu'elle est froide, il est froid, donc c'est un petit peu compliqué. On va faire une petite blague pour détendre l'atmosphère. Hein. Elle va parler de sa promotion. Je sais pas si ça fait un truc. Eh, mais il part. T'as même pas mangé. Ah non, hein. Ah non. Qu'est-ce qu'il fait? Mais voilà. Non. Non, ça suffit. Et ils sont relous avec ce barbecue, hein, je vous jure. Et là, après, ça reste là pendant je sais pas combien de temps, où ils font des détox, là. C'est bon, moi, ça me saoule, en fait. J'ai des trucs à faire à la maison, je te dis à plus tard. Ok, du coup, faut juste... Non, voyons, Elodie, c'est la femme de ménage qui fait ça. Déjà que quand elle vient, on la paye cher alors qu'elle fait pas grand-chose. Alors tu vas pas lui retirer du boulot en plus de ça. Attendez, mais Judith, elle est vieille, oula. Allez, un petit dodo et demain, ça ira mieux. Alors, notre petite Elodie vient de se réveiller, se parle à soi-même. Bah non, du coup. Mais tu vas ajouter une story à Simstagram. Allez, toi, viens sur le terrain. Tu vas faire un câlin, embrasser, brosser. On va s'occuper aussi un peu de Kitty. Hello. Alors, est-ce qu'il peut venir habiter avec nous? Ah oui, il pouvait. Demandez de rejoindre le foyer. Donc, monsieur, vous allez gentiment aller ici. Voilà, tranquille. Théo. Ah ok, il descend. Brûler la porte pour tout le monde. Allez, elle va augmenter un peu sa compétence jeu d'acteur. Ok, elle a déjà pas mal augmenté là. 27%, ça va. T'as fait un quart. Elle va donner des sous à une œuvre caritative. Ça va augmenter en fait sa réputation. Yeah. Est-ce qu'on peut en faire un autre? Il me semble que non. Ouais, non, on peut pas. Ok, on peut pas. Mais du coup, à la fin. Donc ouais, elle va prendre des restes. Et là, j'avais vu comédie sur l'ordinateur. Écrire un long sketch. Bah, avant, elle va manger. Eh, elle est pas venue, l'autre, là. Ok, voilà, c'est bon. Donc maintenant, comédie, écrire des blagues. Est-ce que ça augmente sa compétence? Oui, ça augmente sa compétence comédie. Et en plus, ça va nous rapporter de l'argent. Donc, on dit pas non. Lui, comment il se comporte en bas? Il a bientôt... Enfin, donc, ça tombe bien. Festival de l'amour. Oh, ça aurait été trop bien qu'on y aille avec Marc. Mais bon, on peut pas. Bon, écoutez, elle a son audition dans 1 heure, donc elle va arrêter et elle va aller prendre un bain, histoire de faire bonne impression quand même. Elle se la coule tranquille. Qui nous appelle?
Non, désolé, Marc. Oh là là, on lui met que des râteaux là. Ok, elle va à son audition. On croise les doigts pour elle. Ok, Elodie est rentrée du coup. Oh là là, elle va pas du tout. Et audition réussie. Yes, c'est bon. Hop, du coup, elle va aller faire pipi cette fois-ci. Hein, voilà. Elle va donner cette poubelle à un fan. Quoi? Elle a dit quoi? Cette odeur est en train de tuer mes narines. Non mais oh. Ah oui. C'est pas gâté. Oh non, c'est gâté. Ça se trouve, donner une poubelle, ça va augmenter de ouf sa notoriété, hein. Du coup, c'est quand son truc? Lundi 9h. Ok. Du coup, ça a augmenté notre notoriété. Ouais, j'ai pas l'impression de ouf, hein. Ok. Bon, bah, elle va aller faire dodo. Voilà. Et on se retrouve dimanche et on verra ce qu'on fera. Oh! Oh là là! Attendez. Oh non! Oh mon Dieu! Oh! Oh là là! Oh non, je voulais qu'on s'occupe de Kitty en plus. Oh là là! Descends. Vous pensez qu'on peut supplier la faucheuse? On ne supplie pas la mort avant d'être fauché juste par peur de l'être. Mais non, mais... Oh, notre petite Kitty, regardez-la! Oh là 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 là! Ah, tu m'étonnes qu'elle est très triste. S'il vous plaît, madame la faucheuse. En plus, c'est le jour de l'hiver. Attendez, mais c'est atroce, là. Vous êtes sûr qu'on peut pas supplier? Non, mais moi, je veux supplier, par contre. Assister au décès. Ouais, mais c'est bien d'assister, mais supplier. Madame la faucheuse. Non! Oh, Kitty. Notre petite Kitty. Elle était si jeune. Oh non. Elle est obligée de rester avec nous. Moi, je veux voir son esprit. On va la mettre là. Voilà, dans le dressing. Bon, on va offrir ça. Non, fais pas le deuil de Kitty. Va prendre un bain. Bon, Elodie est une femme forte. Donc, on va engager un traiteur. Salim. Allez, Salim, viens. Elle n'était pas tellement proche d'elle, mais elle l'aimait quand même. Comment ça, t'es en tenue de... Eh? J'ai cru qu'elle allait faire à manger. Je me suis dit, attends, mais on s'est pas dit ça en fait. Bah, Salim, voilà, nous a planté. J'ai l'impression que tout le monde nous plante. C'est un truc de ouf. Bon, elle va augmenter un peu sa compétence comédie. Ok, du coup, voilà, je pense qu'elle a bien avancé. Écoutez, on va inviter Marc à venir. Et quand il sera là, on va cuisiner ensemble. Une salade. Une salade caprese. Par contre, peut-être faut que tu t'habilles un peu mieux. Genre, t'as vu, il y a Marc qui vient. Bon, tu vas peut-être faire un effort même si t'es en deuil. Voilà. Regardez, sa petite tenue. Très très chou. Pourquoi on ne peut pas faire à manger ensemble? Qu'est-ce qui se passe? On va commander une livraison. Écoutez, voilà, on va commander des pizzas. Une pizza pepperoni. Voilà, allez. C'est bon. Ça va 2 minutes. Votre pizza est en route, super. Allez Marc, viens. Très tendu, oulala. Oui. Faut juste qu'on accepte la livraison, sinon le mec il va repartir avec. Prendre la pizza. Attends, Marc, on se reparle après 2 secondes, hein. Ok. Merci monsieur. Marc, tu vas où? Bon, le but c'était que vous parliez en mangeant, mais ouais. Qu'est-ce qu'on pourrait faire de gentil pour gagner de la notoriété et gagner de la réputation? Je pense qu'on va flatter. Non mais oh. T'es pas ici pour faire le ménage, t'as une femme de ménage qui vient pas, mais t'as une femme de ménage. Pleurer la perte de son animal. Attendez, on les voit même pas sous ce parasol. Tu as rendu ma journée bien plus belle, merci de m'avoir fait sourire. Oh, moi je dis ça mérite un petit câlin. Enlacé. Ouh. Écoutez, elle va offrir des simflouzes, peut-être que ça va augmenter la réputation. Toi là en bas, tu peux te calmer s'il te plaît, on t'entend d'en haut. Merci. Attendez, la pizza, on va la mettre au frigo. Ça a grave pas augmenté la réputation. Non. Non. Purée. J'ai envie de le tuer. Ils arrêtent pas de faire des trucs comme ça. Je suis désolée, j'ai supprimé le barbecue. Hein. Ils arrêtent pas de faire des trucs comme ça, moi ça me saoule. Du coup, elle va aller faire pipi. Ensuite. Et pourquoi pas inviter à jouer au bowling. 3 frames parce que c'est long le bowling. Marc. Let's go. Allez. Elle sert pas à rien cette piste de bowling. Jouer. Ah, ok. Elle a une piste de bowling, mais elle est que compétence au niveau de. Ok. C'est au tour de Marc. Ok, lui, il a même pas réussi à l'acheter. Encore pire. Tu montres pas le bon exemple là, Marc. Marc, veux-tu aller en rencard avec moi? Mais t'es là. Pourquoi tu nous appelles? Oh, elle a fait un strike. Oh, c'était quoi cette boule? Ah, ok. Il apprécie, il apprécie. Il fait tard, mais c'est pas grave. Vous allez devenir meilleurs amis. J'espère pas qu'elle a mis du maquillage. Oh là là, on voit ses cernes. Yeah, ils sont devenus meilleurs amis.
Bon, écoute, on va le laisser partir, voilà. Elodie est fatiguée, donc elle va venir manger un petit morceau de pizza. Et après, elle ira au dodo. Et c'est qui vient de rentrer? Non, mais Marc. Oh là là. Il se croit chez lui, quoi. Il arrive comme ça, tranquille. Sauf que non, mon coco. Tu rentres chez toi. Et Elodie va dormir parce qu'elle est fatiguée. Oh, mais non, on a oublié de faire ça. À jouer des scènes. Oh là là, on a oublié de faire ça. Il n'y a pas scène dramatique. Une scène d'action, peut-être? Waouh, chaud. J'avais oublié qu'on avait ça à faire. Oh, mais c'est violent. On va jouer une scène d'action. Bon, bah, je sais pas ce que c'est qu'une scène dramatique. Donc, elle va s'entraîner à jouer là, vite fait, là, pour augmenter. Pour au moins avoir fait 2 sur 3. Mais j'avais complètement zappé de faire ça, quoi. Ok, c'est bon. Maintenant, va dormir. Et voilà. Parce que bon, affamé. Mourir de faim dans 20 heures. Oh non, mais on va partir dans moins de 20 heures. Ok, du coup, il est 8 heures. Donc, dans 1 heure, Elodie doit être au travail. Donc, là, elle va aller aux toilettes et elle va aller prendre un bain. Elle est encore triste par rapport à la mort de Kitty. Tu me manques, petit compagnon. Oh, c'est trop chaud. Je sais pas si on est obligé de l'envoyer seule ou pas. En fait, je sais pas si on est obligé de venir avec elle ou non. Parce que là, j'hésite vraiment à ne pas aller avec elle. Du coup, je viens de vérifier les règles et il n'y a rien qui dit que nous n'avons pas le droit d'envoyer seule notre Sims au travail. Donc cette fois-ci, je vais l'envoyer seule, mais c'est vraiment pour pouvoir garder le mec là et qui mange pas en fait. Voilà, c'est juste pour ça. Du coup, let's go, Elodie part travailler. Ok, donc Elodie est rentrée et du coup, elle vient ramener 3000 à la maison aujourd'hui. De plus, elle a réalisé une fantastique performance au travail. Yes, bah nickel. Et lui, du coup, il meurt dans 3 heures. Donc, pendant ce temps, on va s'occuper d'Elodie. Donc, Elodie, déjà, tu vas te changer de tenue. Et tu vas te mettre en tenue de dodo. Comme ça, tu vas aller aux toilettes et faire dodo. Le temps que notre cher ami décède. Ça y est! Ça y est, il nous quitte. Enfin. Allez, la faucheuse, je t'en prie. Ramène-toi. On l'aura vu 2 fois dans cet épisode, suite à Kitty aussi. C'est triste. La faucheuse, la faucheuse, la faucheuse. On veut notre 9e trophée. On veut notre 9e trophée. Yeah! Notre 9e trophée. Et je veux pas dire, mais on n'a toujours pas eu de sirène ou de vampire ou quoi. On a que des gens normaux. Voilà. Merci la faucheuse. Au revoir. Ce fut un plaisir de te rencontrer. Du coup, notre Elodie, elle est toute seule, je me rends compte là. Avant, on avait au moins Kitty. Là, maintenant, elle est toute seule. C'est horrible. Du coup, là, elle dort tranquillou. Et vu qu'on est bientôt full, j'ai envie de voir si elle fait une story sur Instagram, si ça va augmenter ou non. J'aimerais bien que ça passe aux 4 étoiles grâce à sa story. On va faire ça en masse. Story, story, story. Let's go. Cool, là, elle a 224 abonnés. Eh, c'est pas beaucoup, hein. Tu t'es pas trop occupé de ton compte. Les abos montent, les abos montent. Allez, Elodie. Allez, Elodie. Mais normalement, il y a une limite là. Elle va donner ses objets à des fans. Écoutez, ça augmente la notoriété et donc, bon. Vu qu'ils ne servent à rien, autant les donner. Oh, mais oui, mais c'est pas grave, ça, les factures. Non, mais attendez. Payer les factures. 12 000 quand même, hein. C'est cher les factures. Heureusement qu'on a tué quelqu'un. On va aussi donner le puits parce que, bon, il ne sert pas à grand-chose. Ah oui, il n'y a pas de porte. Problème résolu. Yeah! Véritable célébrité! La démarche, la façon de parler, le physique. Elodie est une véritable célébrité. Le public considère désormais comme un événement de l'apercevoir dans la rue quand elle est avec ses fans fervents. Elle peut les encourager à applaudir pour que la foule devienne vraiment déchaînée. Elodie maîtrise également parfaitement son apparence de personnalité publique. Elle est littéralement une star étincelante et a une nouvelle démarche réservée aux célébrités. Vous pouvez modifier ces deux aspects en cliquant simplement sur Elodie. C'est bientôt l'anniversaire d'Elodie. Ok. Comment casser le délire? Attendez, mais c'est trop trop bien. Voilà, juste parce qu'on a donné un puits, vous vous rendez compte? Parce qu'on a donné un puits. Je vais juste désactiver l'éclat de notoriété parce que c'est horrible. Et utiliser une démarche normale. Parce que franchement, cette démarche, elle est trop relou. Trop trop bien. Eh ben écoutez. Les gens, c'est ici qu'on va se laisser. Du coup, dans cet épisode, on aura perdu Kitty, on aura fait la mort de faim, on aura passé Elodie 4 étoiles. Dans le prochain épisode, il faudra absolument qu'on s'occupe
des compétences et de la popularité, enfin pas de la popularité mais de la notoriété non plus. Enfin le truc vert là, vous savez, où faut monter pour avoir une réputation, voilà, une réputation excellente. Et on verra si on sera promu pour pouvoir justement tuer quelqu'un d'autre lors de l'après-prochain épisode. Voilà. Écoutez, merci à tous d'avoir suivi cet épisode. N'hésitez pas à commenter, partager, liker et vous abonner car ça fait plaisir. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye, c'était Théo.